Donc, on se retrouve sur Dynasty War, Tenchi Wo Kuro, je sais pas comment on dit. C'est un jeu de Capcom. Ça raconte bah, l'histoire de la guerre des dynasties japonaises. Avec donc le fameux Lu Bu et compagnie. Liu Bei et tout ce qui s'ensuit. Donc on peut choisir voilà Shangfei, Liu Bei d'ailleurs, Kuan Yu, Shao Yun. Bon moi j'aime bien Shangfei hein, parce que il a une bonne tête de vainqueur. Oui le son était dégueu bien fort. Et c'est toujours fort là? Si c'est toujours fort je vais encore baisser un peu hein. Ça passe, ça passe. Ok. Donc oui, on peut laisser appuyer pour charger l'attaque. Donc le jeu, bah, c'est du Capcom, hein, c'est, ça reste quand même de bonne facture. Mais par contre, le jeu est extrêmement long. Du coup, je le ferai pas en entier, hein. Donc à l'époque j'aimais bien parce qu'il y avait un système de level up. Un peu à la... Bah d'ailleurs ça ressemble, hein, c'est les mêmes design que Area 88, Carrier Airwing. Donc bah on gagne de l'XP en bourrant les mecs, on a des nouvelles armes, donc on tape plus fort, hein, et on est plus résistant. Enfin ça c'est dans la... Dans la théorie, parce que dans la pratique, vu que tout devient plus dur, c'est pas vraiment ça. Mais bon. Ouais, on peut appeler voilà des gars qui nous aident un petit peu. Hein. C'est les magies. Hein. Donc il y a un bouton pour se retourner. Ou non, c'est un bouton pour taper d'un côté, un bouton pour taper de l'autre. Donc j'arrive au premier boss, merde, j'ai pas lu qui c'était. Tengmo, il y a Tengmo. Bah c'est les gars de la légende, hein. D'ailleurs, attends, faut voler leur coffre. On veut la thune, nous. S'en foutent ces gars. Oh là, le vital, il est pas bon. En même temps, c'est hyper chaud, hein. C'est un jeu bouffe-pièce. Hein. Alors j'aime bien parce qu'il y a des petits messages, genre qui commentent l'action en bas. C'est des shoutcasters avant l'heure. Ah mais pourquoi j'utilise pas ma magie? Voilà, un petit caillou dans votre gueule. Et cassez-vous là. Trop nombreux dans mon cul. Bien, bien. Général Tengenki. Je vais réunifier le Japon, moi, tu vas voir. À coup de latte. Ah, il est vénère, mon gars. Donc, il y a une suite. Ce jeu a une suite. Mais alors. C'est un beat'em all bien plus classique. Hein, tu choisis parmi les mêmes gars, d'ailleurs. Hein, c'est le même perso. Il y en a peut-être un ou deux de plus, je sais plus. Enfin, je sais qu'il y a un vaste choix, mais par contre, c'est tu te balades à pied et tu fais des coups. Des coups à la Final Fight, quoi. Ah là là. Les bateaux en feu, comme. Finalement, dans Dynasty Warrior, on retrouve ça hein, aussi un mot. Dans les récents. Les passages avec les bateaux en feu. Parce que je me rappelle d'un niveau de ça sur Warrior Orochi Zboob. Ah! Une mieux arme. Oh là là, tant de puissance. Ah, mais cassez-vous!
Bon, je vais utiliser ma... La magie, c'est quoi la tactique? C'est quoi la tactique? Voilà, assiste-moi. Sung Jen, vu que je vais bientôt crever. Bats-toi à ma place. Oh, c'était bref, hein. Pourquoi ça... En fait, c'est quoi? C'est parce que j'ai plus assez de vie que ça a fait dididididing? C'est hyper chiant. Didididi. Didididi. Mais... Meurs, 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 meurs. Ah, j'ai une magie, là, je crois. On va les faire. Ah, non. Je sais pas où sont mes magies. Je sais pas trop piger comment... Oula. Ah, vous ne m'aurez jamais rascal. Bon, ils me font chier avec leur barrière là, la con. Donc on peut jouer à deux aussi à ce jeu. Salut. Hop. Oh là. Oh là là, la catapulte piégée. Elle prend feu. Allez. Faut utiliser les pouvoirs. Hein. Bon. Évidemment, je les bourre juste avant les boss, mais c'est... Aïe. Tiens. Bon, ça y est, j'ai plus de magie. Ah. Il se retreat. Oh là là. Tactique explosion. Carrément. Ah mais je crois que mes magies elles progressent en fonction de mon niveau, c'est ça? Non. Allez, retire. On n'entend pas le son du jeu? Ah bon? Ah, moi je l'ai fort, hein. Merde. Parce que je l'ai baissé pour les bruitages. Parce que les bruitages sont vraiment ignoblissimes. Mais si on n'entend pas le son du jeu, c'est couillon. Peut-être dans une phase où... Oh là là. Tonmengu. Tonmengu. J'ai levelé up. Bah ça empêche pas voilà de... Du coup j'ai plus de vie mais... Mais je pense que je vais les perdre plus vite. C'est ça la mesquinerie du jeu. C'est que t'es plus résistant, mais ta vie part plus vite. Donc t'es pas vraiment plus résistant en fait. Aïe. Ah, nouvelle arme. Enfin, une nouvelle arme, hein. C'est juste, ça change l'apparence, parce que je l'ai pas vraiment nouvelle, hein. Par contre, elle a peut-être un poil plus de portée. Pas sûr. Pas l'impression.
Bon, il faut toujours 12 000 coups pour tuer des monstres. Hein. Enfin, des monstres, des mecs. Oh là là, l'huile chaude. J'ai roulé dedans avec mon cheval. Oh là, oh là. Ben voilà, c'est Dynasty Warrior, hein. C'est... C'est cool pour l'univers, par contre le jeu, voilà, il est un peu vieux, il est... C'est pas la plus grande réussite de Capcom. Mais j'aimais bien... De mémoire, je l'avais sur Amiga. Ou sur autre chose. En tout cas, j'avais ce jeu en version console. Enfin, console, micro, quoi. Bah bon. Micro, quand tu dis micro, dans les années 90, c'était des consoles parce que... Je sais pas, je me vois mal bosser avec un Amiga 500, honnêtement. Tiens, mange mes flammes de l'enfer. Ah ben, lui aussi, il me fait bouffer les flammes de l'enfer. Allez, je bute ces boss et je m'arrête là pour ce jeu. Enfin, si c'est pas eux qui me butent en boucle pendant 4 heures. Malheur, que c'est chiant ce bruit de tididili là. Ouais, c'est vrai que c'est abusé, les Dynasty Warriors. Il y a tellement peu d'évolution en 10 ans. C'est dommage, quoi. Bon, il y a quand même du mieux, hein, parce que les Samurai Warriors, ils sont cool, quoi. Je l'ai pourfendu. Le général Tao Tao. Nous sommes trop forts. Bim! Ouais, je suis vachement plus... J'ai gagné 3 points de vie et par contre je mets toujours 1000 ans à tuer des péons. Contrairement à Dynasty Warrior de maintenant. Où il y a autant de péons mais on les tue beaucoup plus vite. Bon allez, je m'arrête pour ce jeu. Voilà, c'était un aperçu de Dynasty Warrior. Ah, ça peut être sympa voilà, de se faire ce jeu vite fait à deux, quoi. Mais tout seul, c'est un peu boring. Malgré voilà, la qualité de l'animation, des décors, tout ça. Voilà.